Et voilà, c'est parti. Et oui, Cave Story Princess. Je vais laisser passer une boucle musicale avant de lancer. Ouais, avec la... J'adore, je l'ai dans mes musiques de téléphone. D'ailleurs, accessoirement, c'est une des musiques de Cave Story qui me sert de sonnerie de téléphone. Mais paradoxalement, je n'ai encore jamais joué au jeu. Là, c'est l'instant anecdote à la con. Je vais laisser la difficulté par défaut, il me propose de commencer en facile. Je vais jouer en facile. Attends, je vais quand même changer un truc. Merde. J'ai fait un truc sans faire exprès. On l'a refait. Et donc... voilà. Non, pas keyboard. Je me sens plus de passer... sur le stick en fait. Ah. Mon dieu, cette chatte! Et le chat de Twitch semble être revenu! Commencer par sauvegarder. Retortel. Alors, prendre un peu le coup des contrôles. Hein. J'ai l'air d'avoir un truc par là, je veux y aller. Les bestiaux tout choupi-mimi. Quelque chose me dit que si c'est rouge et pointu, voilà, j'ai intérêt à éviter. Ah ah, de la vie. Je sens que ça va servir. Ah non, j'y ai même jamais joué. Oh merde. J'ai sauté sur un ennemi. Coucou Tisha. Alors ouais, faut se méfier des murs. Les murs sont nos ennemis. Hein. Mon dieu, mais j'ai un flingue. Ouais, t'as dû confondre avec Rome. Ça ressemble très vaguement, mais les sprites sont quand même beaucoup plus... D'ailleurs, ce week-end, je vais faire du Roar en multi. Il me reste a priori une place de dispo, si ça intéresse quelqu'un.
Ouais, je sais, tu m'as dit. Tu m'as dit que tu seras chez Julie. Mais bon, ce sera la première et j'espère pas la dernière occurrence de mes streams du multi samedi. Donc le samedi, je vais faire du multi maintenant. Moi, j'ai trop de... Non, mais me tue pas, t'es choupi! Oh, de la vie, c'est cool! Mon dieu. Cette porte est un piège. C'est pas le soir, ce sera dans l'après-midi. Non, je vais pas trop streamer le soir, le week-end non plus. Donc il y aura du multi si ça vous branche. Mon YouTube, c'est trop choupi. Ils sont trop choupis les lapinous, j'ai envie de les câliner. Oh, un village avec des lapins choupis. C'est assez choupi, hein. Donc une pupusse arrive. Attends, je vais remettre mon casque pour pouvoir te parler. Voilà. D'accord, là il y a une salle de sauvegarde. En grande malade, je sauvegarde régulièrement. C'est vrai à sauvegarder ma vie remplie. Je ne sais pas. Y a un petit chat qui dit coucou. Bon, ça, je pense que tout le monde s'en doute. Il y a des trucs par là, je veux pas. D'accord, il y a plein de pièces. Il y a plein de pièces marrantes. Par contre, le fait qu'il y ait des problèmes d'oxygénisation dans l'eau. Pas fan. J'aime pas les niveaux d'eau. Surtout dans les coups. Alors pareil, hein, je suis désolé, j'ai pas le cerveau pour vous faire la trad en simultané, en mettant en scène. Niga, c'est un nom qui va tellement bien ce truc-là. Oh, j'ai obtenu quelque chose. Là, je veux sortir. Je veux pas mourir. RIP. Le gros pas RIP. Voilà, ce fut une belle noyade. Donc comme je disais, j'aime pas les trucs où il y a de l'eau. Je veux choper le machin. Mon truc de bouchou. Super choupi. Quelque chose me dit que je dois suivre ce lapin.
plein de trucs. Mais oui, non, mais c'est d'une choupitude, c'est... C'est d'une choupitude à faire fondre des cerveaux. Non, je ne suis pas le docteur, je n'ai pas de boîte bleue. Coucou Seiko, comment ça va ? Je t'ai dit, puisque c'était un jeu de la choupitude. Oh mon dieu, il se passe quelque chose. Oh mon dieu. C'est censé être un savon, c'est ça? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'est une grosse télé, hein. Je pense que je vais devoir sauver le monde. En tout cas, le lapin. Ah, c'est cool, on peut éviter un combat. Coucou Spifounette. D'ailleurs, Spifounette, je viens de me souvenir d'un autre truc qui ne t'a pas aidé dans notre partie de Pokémon d'hier. L'autre truc qui t'a pas aidé, c'est d'utiliser une attaque sort sur un Léviator. Une attaque sol sur un Léviator, ça marche très mal. Je suis sûr que je peux le faire. Ok, mon saut a pas l'air d'être assez haut. Peut-être en faisant des sauts bizarres par là. Bah quoi, si je peux éviter un combat, je préfère. Je suis quelqu'un de gentil. Joli. Joli, Seiko. Ok, à mon avis, je peux pas y aller là comme ça. J'ai toujours verrouillé, hein. Alors, comment je vais faire pour monter? Bah oui, je peux monter par là. C'est un peu escaliérisé. Voilà, c'est un peu ça. Bah déjà, évite d'utiliser une attaque sol sur un Pokémon vol, ça t'aidera. En fait. Rien que ça, ça pourra t'aider.
tout cas, pour l'instant, le jeu est vachement agréable à jouer. Je tiens à le dire. Puis les musiques, quoi. Les musiques, elles sont toutes choupies. Et puis les lapins aussi. Et quand c'est choupi, quoi. Oh, il y a encore des choses. Il y a plein de choses. Je vais voir où j'en serai à la fin de ce stream du lundi pour savoir si je si je le continuerai comme ça le lundi ou si je le passerai plutôt en stream du jeudi plus tard en stream fil rouge. Je verrai à ce moment-là parce que c'est vrai que le jeu est sympa et j'ai pas envie de me presser à le faire sur des streams du lundi. Mec, il n'y a pas grand chose à faire à part aller par là-bas. Chose d'autre à faire ici, hein. Ah, d'accord, ça c'est pour changer d'arme. J'ai trouvé le cimetière. Bah écoute, c'est possible. En fait, dis-toi que si je le vois, si ça apparaît pas sur le stream, c'est que je l'ai pas eu. Mais a priori, Twitch avait des problèmes avec son chat, hein. C'est quoi ça? C'est un tombe-berry intuable? De toute façon, ce qui est intéressant dans Pokémon, c'est surtout les échanges. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah ah, j'ai obtenu une clé. Mais il y a un endroit étrange ici. Est-ce que je peux y aller? Ça n'a pas spécialement l'air prévu pour. Hein. On sent que je suis doué. La gêne, hein. Après tout, ça ne mange pas de pain. Mais même le héros, il est choupi. J'adore faire un wouhou comme ça. Oh, mais j'ai pas envie de tuer les mobs en fait. Je suis désolé, mais les mobs ils sont beaucoup trop gentils pour être tués. Surtout lui là, regarde. Oh, merci Tisha. Alors attends, je vais aller voir le message que tu me donnes. Parce que du
coup, je n'ai plus la fenêtre que le message. Un petit cadeau de soutien pour ta poteau. Ben, merci Tisha en tout cas. Je sais pas, mais c'est Mimi. Oh. Mon arme, elle level up. En tout cas, c'est bien maniable et tout en termes de tir. Mais ouais, mais... Et du coup, j'ai pas envie de tuer les trucs, quoi, quels qu'ils soient. Oh, là, ça craint un peu. Mon dieu, mais même le lapin démoniaque géant, il est choupi. Un truc choupi qui tape un autre truc choupi, mais t'as pas envie de te battre en fait dans le jeu. Oh. Mais c'est trop choupi! Alors, une scène de sauvegarde. De quoi, Tisha? Il Tisha qui a parlé de Misty? Non, c'est bon. Ah. Merde, attends, j'ai raté mon saut. Faut que je réussisse à faire ce saut. Et comme je suis très doué pour les jeux de plateforme, ça va être fun. Je suis pas sûr de pouvoir le faire comme ça. Tenter. Et si, c'est passé. De la vie. Et merde. Ah ouais. Ah c'est... Cette fois, j'ai à sauvegarder la capsule. Ouais, Misty, la dernière fois que je suis passé, elle était toute gentille. Ça saute pas assez haut. Ah, ça va pas sauter assez haut. Oh, j'ai mon arme qui est level max.
Alors je sais pas s'il y a auto-fire, donc je mâche. Je suis un peu bête, donc je mâche le fire. Non, c'est... Le truc devient en blanc. On va le prendre tout de suite pour aller chercher le coffre. On va dire ce qu'il me dit après. Oh, Magic Missile et Plasting Gun. Et après, il y aurait, ça c'est un truc à munitions limitées. Normal. Bon, a priori, il y a deux trucs de stase qui clochent. Je pense qu'il est temps de sauvegarder. C'est... Rater son saut, c'est mal. Ah oui, bien vu. Rappelez ça. Alors, je vais bêtement tenter ça. Non, c'était une mauvaise idée. Merci du conseil, princesse. J'ai totalement oublié ça. Ok, attends, je vais relire ce qu'il me dit. Attends, je vais prendre des doigts et tout. Voilà, t'as le droit à un Camoulox, plus. D'accord, donc Zerchoubi est terminal. Hein. Donc faut aller trouver le terminal. Je suis pas spécialement doué en jeu de plateforme, comme ça peut se voir. Hein. Merde. C'est tellement... Bon, c'est par là qui pop, là l'autre. D'accord, faut passer par en haut. En gros, je me suis un peu fait blesser pour rien.
J'ai pas spécialement chez PXXP de l'arme. Hein. Si je ramasse bien autrement, c'est pas grave. Par contre, si je peux éviter de me faire blesser comme une grosse endive, c'est mieux. Je vais avoir un truc. Hop, là, mais level 2. Merde. Me demander de changer des trucs comme ça rapidement, c'est pas pratique. Hein. J'ai quand même un peu intérêt à les prendre. D'accord. Ça va être compliqué. Il y a un truc là que je ne sais point comment t'aller prendre. Quelque chose qui me dit que je dois aller chercher quelque chose ailleurs. Hein. Et les musiques, elles sont cool. Je vais un peu partout au pif. Hein. On va aller voir les lapins. Oh, merci princesse. Ouais, moi je m'attendais à ce que l'œuf fasse popper un boss tout bêtement. Allez hop, on y retourne. Genre au hasard. Hein. Nous savons totalement que tu dis ça au hasard pur. Pas bouffer des munitions sans vouloir. Genre à l'œuf numéro 6. Pourquoi est-ce que je ramasse des trucs dont j'ai plus besoin? Ça m'intéresse. L'œuf numéro 6, c'est vrai, je le vois. Ah ouais, c'est carrément que tu rentres dans l'œuf. Ouais, si, il y en a deux qui passent devant, ça j'ai vu, et qui me disaient que la stase était abîmée.
merde, c'est trop tourné. Le truc qui me donne l'info. Ah mais, laisse-moi monter. Donc la deuxième info, hop. Donc le numéro 6. Et le numéro 1. Il faut que j'aille sur l'œuf numéro 1. Il semblait qu'ils étaient plus proches. Numéro 1, il est là. Ah merde, j'étais trop lente. Par contre, là, normalement, j'ai bien sauvegardé au bon endroit. Et voilà. Et voilà. En tout cas, merci princesse, puis mes yeux. Non, puis en plus, quand tu regardes le truc, c'est obvious, c'est les seuls où t'as un point d'accès, quoi. Un jour j'arriverai à faire des sauts, promis. Non, il est trop choupi, j'avais pas envie de me battre contre. C'est trop un jeu de la choupitude, quoi. C'est juste dommage que t'aies affronté des trucs aussi choupi. Non, je peux pas l'aider à se relever parce qu'il est gentil. Ils sont trop choupis.
qu'on parte ensemble. J'ai trop choupi. Le car design de jeu n'est pas fair play. Très honnêtement, le car design de jeu n'est pas fair play. Tous les persos sont trop choupis en fait, c'est surtout ça. C'est tellement... C'est tellement une démonstration de choupitude. Une démonstration de choupisation. Je vous prenais qui est en train de me gratter, c'est désagréable. Oui, je gratte mon poignet. Je me gratte le poignet avec les dents quand ça me gratte. Hein. Ouais, ça serait bien que je fasse gaffe à ma vie aussi. C'est vrai que c'est pas con comme idée. Je vais pas sauvegarder. Je sais franchement pas comment je peux faire pour y aller. Je vais me téléporter, sauvegarder et retenter d'y aller. Non, il est vraiment bon ce jeu, il est vraiment agréable et tout. Donc niveau maniabilité, il est agréable aussi, hein. Ah non, mais en même temps, c'est facile de se planter sur un jeu vidéo, hein.
Donc je disais sauvegarder, essayer de prendre le truc. Non, franchement, en tout cas, là pour y jouer, je le trouve quand même très agréable. Je veux essayer d'aller là-bas. Ah, je sentais que c'était possible. Je sentais que c'était possible d'aller le prendre, cet exemple de vie. Donc, je pense qu'il va falloir que je sauve sous. Ok, donc je pense qu'il y a un nouvel endroit où je dois aller. Il n'y a pas une porte fermée par là-bas? Non, elle n'était pas fermée. C'était quoi ici? C'était une ferme. Je vais ramasser tout ce qu'il y avait à ramasser a priori. Hein. Donc je pense qu'il va falloir que je passe par le téléporteur. Hey, Bushland, c'est parti! Je sais pas si c'est un endroit où Bush a gagné des élections. Je n'espère pas. Voilà. Cette blague est faite. Elle était un peu obligatoire. Ah ouais, j'aime bien cette musique aussi. Non mais niveau de choupitude augmenté là. Il level up en choupitude. C'est... Non, je veux pas tuer ces mobs. Je veux pas qu'ils soient méchants. J'ai fait un level down, ça c'est pas cool. J'ai eu la clé de Santa. Ah mais cette musique elle est cool. Non, je veux pas me faire toucher. J'ai besoin de récupérer mon level up s'il te plaît. Oh, il y a un truc à aller prendre. Alors, bon, j'arrive à monter. Comme je suis très doué avec les sauts.
avant de l'acter à Centaur. Bon, je vais quand même essayer un peu de faire ce saut tordu. Non, ça passe pas. Hein. Puis après, je vais faire pause la tête. Donc, Oh, un cadeau. C'est un cadeau du Papa Noël qui s'appelle Santa. Ils racontent des choses bizarres, ces bonhommes. Obtenu la fireball. Mais non, ils ont pas de tentacules. C'est pas possible, ils ont pas de tentacules. Les rebonds ne sont plus les mêmes. J'ai raté mon bouton saut. C'est ballot. Donc, coucou Fantasma. D'accord, bah tu me rappelleras ça à ce moment-là, princesse. Ah, j'ai oublié de récupérer la boule de feu du coup. C'est ballot. Bonne nuit, Tortel. Dors bien. Merde.
Alors... Vas-y, c'est bien ça de la vie. Essayez d'aller dans l'air après avoir regardé le feu. Ça sert à rien, mais c'est cool. C'est la folie ici. Il y a plein de méduses partout. Alors c'est cool parce qu'il me faut du truc de méduse. Mais je pense qu'il me manque quelque chose pour en faire à partir des méduses. Merde. J'ai nous visé. Par contre, c'est vrai que le système des armes qui level et qui délevel quand tu te fais toucher, c'est génial. Oh, il y a un truc bizarre qui est apparu là-bas. Peut-être cela peut être... Peut-être que c'est en rapport avec ce que je cherche. Jellyfish juice. Classe. Je pense que ça, ça ne sert pas à rien, le jellyfish juice. Ouh. Je peux passer à travers le feu.
qui est quand même classe. Il n'y a pas à chier, les contrôles répondent bien. Hein. Je connais plein de jeux où un saut comme ça, tu meurs 15 fois avant de le réussir. C'est quoi cette bestiole? C'est un polochon géant? Il est agressif, mais c'est un polochon géant, on est d'accord. Il y a plein de trucs partout. Où est-ce que ça m'emmène? Ouvrir ce pyrone. Qui est fermé. En attendant, princesse, je suis d'accord, cette musique est classe. J'ai l'air d'avoir une moto rouge. Je ne peux qu'approuver la classitude de la musique. Hein. Là, j'ai merdé. Level max. Ça aussi c'est classe. Parce que les mums sont choupi classe. Oh. Life capsule. Attends, non, c'était quoi par là? C'était la salle qui est bien par là-bas. Hein. Et entre avec moi qui mélange ma droite et ma gauche. Ah de la vie. On va pas cracher dessus hein. Voilà, j'ai mélangé ma droite et ma gauche. Oh petit robot chien tout mimi. Ah non, c'est pas un petit robot chien.
C'est... Ah, totalement, c'est un jeu du couinage infini. Par contre, c'est un jeu du tu sens pas le temps passer. D'accord, ok, il faut quand même du stuff. Ah, c'est l'heure de la sauvegarde. Oh, cool! Ok. Ah,
encore à explorer par là, hein. Quand même le tuto pour te dire de faire le truc que à peu près tout le monde fait de base, qui est de maintenir le bouton de saut quand t'es sur une hélice comme ça. C'est aussi ça qui est bien, c'est que... D'accord, il y a un truc à faire pour ouvrir cette porte, à mon avis. Je vais prendre ça. Ah mais maintenant je vais pouvoir le ramener le truc de... Ça c'était con. Ça c'était un peu con. Le terrain pour les méduses. Coucou Abyss! Là, je peux aussi me faire chier à esquiver. J'ai déjà ça.
Heureusement qu'il y a sauvegarde ici. Hein. En effet, il y a sauvegarde ici. Le truc de Jelly. Hey Jelly Baby. Donc non, en fait non. Donc j'ai quand même du matos à ramasser. J'ai déjà le truc de Jelly. Pour de sauvegarde ici, ce serait bête de ne pas en profiter. Et donc j'ai deux autres items à ramasser. Ici, hein. Là, j'ai déjà tout pillé. On arrive dans la phase dans laquelle je suis le moins fan, qui est la phase de recherche. Je dois trouver pourquoi fabriquer mon putain d'explosif. Putain, j'y arrivais super bien tout à l'heure à saut. C'est abusif. Ah, trop tard. Et c'est le décès. Et là-bas, de toute façon, la porte est fermée, donc dans l'autre, ça va pas m'aider. Donc on va faire du backtracking encore. Hein. Backtrackons, le jeu nous demande de backtracker. Ça se voit que j'ai déjà joué à des jeux de plateforme, hein. De précipitation pour le moment, notre temps. Si j'apprenais à faire des sauts, ça vous branche, non? Mais ça pourrait être bien que j'apprenne à sauter. Ah, puis le truc, c'est que je sais que je peux pas en vouloir au jeu, là. Alors... Thank you.
Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ici, c'est un piège. Peut-être que lui ici il a une idée. Je vais sauvegarder puis je vais lui demander s'il a une idée. D'accord, donc ça c'est bon. Ça j'ai. Donc il me reste plus qu'un item à retrouver. Je me dis qu'il doit pas être loin. Hein, c'est... Alors. Je suis un poil concentré, puis comme il n'y a pas grand monde qui parle, il n'y a pas grand monde à qui répond. Alors. On me laisse à fond dans le jeu. Bah, c'est gentil, mais n'hésitez pas à dire des trucs, hein. C'est vrai que ce jeu est prenant. J'ai pas été autant prise dans un jeu comme ça. J'ai pas été autant à fond dans un. Enfin, concentré sur un jeu avec envie d'avancer, etc. depuis longtemps en fait. Ouais, j'avais vu ça, Twitch, un peu chier. Un truc à prendre, simplement je ne sais pas encore où. Ah mais c'est surtout le truc que j'adore, c'est que ce jeu est ultra maniable en fait. C'est super agréable d'y jouer. Coucou Ika, comment ça va?
Logique. Donc ça doit être un petit peu plus loin. Ça doit être l'autre porte. Ouais, cette porte là. Hein. Ah non 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 non, j'ai raté mon truc. J'ai oublié, j'étais pas prête. Ouais, c'est le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs qui soient vraiment que pixel parfait, qui demande une précision démoniaque qui fait que t'as pas besoin de te poser, quoi, ça reste... Voilà, c'est là. Voilà. Oh, ça sent le boss. Hop ça. Ah, je récupère d'autres missiles, ça c'est bien. Il en reste encore. Vive le plein de missiles! Pas facile facile, mais il est passé ce boss. Ouais, j'ai tout intérêt à réussir le saut. Parce qu'il y a du gros refill après. Notamment du refill de missiles. Ouais, il y a...
Et voilà. J'ai obtenu une bombe! Ça tombe bien, c'est ce qu'il me fallait. Du coup, la salle de sauvegarde. Hein. Les missiles, c'est quand même vachement puissant. Ce jeu est vraiment super super prenant, c'est vachement dur de parler en même temps. Je propose des petites. Je profite des petites temps morts, mais je suis tellement concentré dedans que. Voilà, c'est. Franchement, ce jeu est réussi en termes de gameplay, là, il n'y a pas à chier quoi, c'est. Il n'y a pas à râler sur le gameplay ou quoi que ce soit, c'est vraiment. Par contre, j'ai intérêt à reprendre le truc de jellyfish. J'ai intérêt à reprendre du truc de jellyfish avant. Enfin, au passage. Le seul truc qui est un peu agaçant, c'est les bruits des Doritos. Encore que j'y fais même pas spécialement attention, mais quand il y en a beaucoup, c'est vrai que... Thank you.
essayer de revoir. La musique est hyper prenante, ouais, mais ça joue totalement. Hein. Bon, je suis sûr que je peux le faire. Je suis sûr que ce saut est faisable. Je veux réussir ce saut. Ah merde, j'avais réussi. D'accord, c'est bon, j'ai mon point de repère. Ah mais... Voilà. Truc là-bas, je suis sûr que je peux le prendre, je veux le prendre. Ouais, ok. Tant pis, je m'avoue vaincu pour l'instant. Ils sont crachés comme des merdes, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, ils se sont crachés comme des gros caca. J'avoue être un peu déçu quand même sur un truc, sur un point. J'espérais utiliser le jet ski volant. J'espérais l'utiliser, hein. Je sais pas, peut-être. Je finirai sûrement pas le jeu ce soir. Je le ferai sûrement en fil rouge. Je le finirai pas sur les lundis qui suivent. Je le ferai en fil rouge parce que les lundis, j'ai quand même envie de faire des jeux qui tournent vraiment beaucoup. Ok, bonne nuit, Tisha. Ce jeu, c'est vraiment un plaisir à jouer, en fait. C'est t'es dedans. Tu joues, t'es dedans, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Aller à la sand zone, je regarde un petit peu l'heure.
C'est surtout que je suis bien fatigué. Cette musique aussi elle est sympa, un petit peu moins elle est sympa. Oh, un PNJ. Oh, un bar. Forcé de me battre. Mais c'est totalement dégueulasse, je voulais pas me battre. Oui, tu l'aurais su si tu me l'avais demandé. Si tu m'avais demandé avant de tirer, tu l'aurais su. J'ai donc une Gatling maintenant. Oh, tu as un petit chien mini. Un petit chien tout choupi. Oh, mais Gatling n'a pas des munitions infinies. C'est un peu de l'arnaque. Oh, de la vie, de la vie, de la vie. Ah d'accord, les Gatling, ça se recharge quand même. D'accord. Il m'a bien semblé qu'il y avait un truc qui avait essayé de me bouffer. Hein. On est totalement d'accord, il y a totalement un truc qui a essayé de me bouffer.
De la vie, de la vie, de la vie. Ah, ça va, y'a plus. Oh, mais dis donc, ça sort totalement le passage secret avec de la vie dedans. Ça sent juste totalement le passage secret. Pas de la vie, juste un save point. Un save point, c'est déjà très cool. Non, faudrait que j'arrête de tomber dans l'herbe, dans le sable. Ah, j'y arrive. Je vais y arriver, je vais mettre les mots dans l'ordre. Pareil, c'est un truc qui se fait quand on veut faire des phrases. Là, les mobs sont un peu moins mimi. Ah ouais, toi t'es... Refantasma! Toi t'es un boss en fait. Je peux pas vraiment le spammer de missile. Je peux totalement le spammer avec ça par contre. Et voilà! Coucou Willou! Il était pas très dur ce boss. Promis, je vais apprendre à sauter. Hein. Bah écoute, ça va. We'll be right back.
Ouais, si tu peux repasser par là, je vais pas me gêner, hein. Bah, moi, mon dieu, un truc où je peux passer facilement. Quoi de neuf, Willow, depuis ce matin? Ah, je me disais bien que ça allait débloquer quelque chose. Ouais, je sais, mais... Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Non, une maison. Ça va être de pas y aller, hein. Hop, il y a une save ici, par contre, je vais la prendre. Farmer un peu les Doritos, hein. Ce jeu du swag où tu farmes des Doritos, quoi. Faut que j'apprenne à farmer les Doritos correctement. Petit chien, tu es où, petit chien? Juste attendre qu'elle vienne à l'arrivée. Non mais il est plus trouillard que notre chien, c'est pas possible. Ouais, j'ai un toutou sur la tête. Frankerzy, Frankerzy.